Le plus beau de tous les cadeaux, un livre de Pascal Telade et Jean-Charles Sarrazin. Pierrot aime beaucoup sa maman et comme c'est son anniversaire, il veut lui faire un cadeau. Le plus beau de tous les cadeaux du monde. Il dit « Ma maman, il ne faut pas me déranger, d'accord ?» Et il ferme bien la porte de sa chambre. Puis Pierrot prend le chat à bras le corps et le fourre dans une boîte à chaussures. Il veut mettre le couvercle, mais le chat n'est pas d'accord. Il crie miaou et il file se réfugier sous le lit. Pierrot le gronde. Tu ne veux pas être le cadeau de ma maman? Ce n'est pas gentil, dis donc. Pierrot veut toujours faire un cadeau. Il retire le drap de son lit et hop là, le met sur sa tête. Ouh, je vais lui offrir un drap de fantôme. Puis, Pierrot réfléchit. Non, ce n'est pas une bonne idée. Un fantôme, ça fait un peu trop peur. Et je n'aime pas quand mon papa me fait un peu trop peur. Pierrot est ennuyé. Il trouve qu'un cadeau à sa maman, c'est bien compliqué. Heureusement, il a de la suite dans les idées. Il emballe dans un beau papier tous ses vieux jouets de bébé. Il se dit, je vais donner tout ça à ma maman. Comme ça, elle fera un bébé avec mon papa. Ce serait bien un bébé. Mais le problème, c'est qu'il va m'embêter, ce bébé. Non, décidément, ce cadeau n'est pas une bonne idée. Soudain, Pierrot s'écrie, ça y est, j'ai trouvé. Il prend un camion de pompiers en pensant, ce sera pratique si la maison prend feu. Mais Pierrot réfléchit encore, il ne peut pas offrir le camion. C'est sa maman qui le lui a acheté. Alors, Pierrot ne réfléchit plus. Il prend un grand carton, celui où se trouvait la machine à laver le linge. Il dessine des fleurs partout dessus, dessous et aussi sur les côtés. Et puis une maison et un bonhomme très gentil qui s'appelle Pierrot. Puis il jette dedans ses oreillers, sa lampe électrique, un petit livre et un paquet de gâteaux. Pour ne pas s'ennuyer, il s'installe à l'intérieur. Et il attend. C'est long. Pierrot n'aime pas beaucoup attendre. Et il fait noir dans le carton. Alors tout doucement, il appelle « Eh oh, maman !» Puis il écoute. Il dit un peu plus fort « Eh oh, ma maman à moi !» Des pas, des gros pas de maman arrivent. Maman entre. Pierrot lance du fond de son carton « Coucou, maman !»« Qui est là ?» demande maman de sa grosse voix de maman. Maman se penche et fait « toc, toc » sur le cadeau. Elle demande « Y a quelqu'un ?»« Oui, moi !» chuchote Pierrot en riant. « Qui, moi ?»« Ton cadeau !» s'esclave Pierrot. Alors Pierrot ne tient plus. Comme un diable, il jaillit du carton en hurlant « Bon anniversaire, ma maman !» Et c'est depuis ce temps que maman appelle son Pierrot chéri d'un petit nom très joli. Elle l'appelle mon cadeau. Et même quelquefois, mon cadeau à moi.